Il a le don pour se péter la gueule par terre. C'est dingue. Ah, j'arrive dans le cosmos. Pourquoi je suis à l'envers? Où sommes-nous? Oh, bah pourquoi il est là lui? Il est pas dans le bon sens en plus. Il y a un petit problème. On est tombé. Est-ce que on est mort? Non. L'inquisiteur a utilisé sa marque pour ouvrir une autre faille. Je crois que nous sommes dans l'immatériel. Ils sont dans les sens inverses. Comment ils peuvent faire pour avancer? Ils sont coincés. L'immatériel ne ressemblait pas à ça la dernière fois. La première fois que j'ai foulé l'immatériel, il y avait un joli château rempli d'or et de soie. Et des nanas à poil. J'ai rencontré un merveilleux démon du désir. On a parlé, on a mangé du raisin, puis il a tenté de me posséder. Oh merde. La différence, c'est peut-être qu'on est ici en chair et en os. Faire violer par un démon. Ce n'est pas un rêve. Il paraît que vous êtes sorti de l'immatériel à Dars. Ça ressemblait à ça? Je ne sais pas. Je ne me souviens toujours pas de ce qui s'est passé la dernière fois. Bon. Quoi qu'il se soit passé à Dars, on n'est jamais trop prudent. Le démon était juste de l'autre côté de la faille qu'Erimond utilisait, et il pourrait y en avoir d'autres. Dans notre monde, la faille d'où sortaient les démons était proche, dans le vestibule. Nous pouvons peut-être nous échapper ainsi. Ouais. On va voir ça. Allons-y. C'est pas beau. C'est moche, hein. Ça se passe vraiment comme ça quand tu rêves. Mais comment tu fais pour dormir? Il y a des choses à récupérer dans ce monde tout pourri. Ah, je peux. Ah merde. Oh oh. Bonjour. Qui êtes-vous? Nom du créateur. Est-ce que... Garde, héros, je vous salue. Divine Justinia. D'après mes quelques souvenirs de ce qui s'est passé à Dars, je vous croyais morte. Je crains que la divine ne soit bel et bien morte. C'est sûrement un esprit ou un démon. Vous n'imaginez pas que j'ai pu survivre. Et pourtant, vous êtes vous-même dans l'immatériel, bien vivant. Mais prouver mon existence requerrait un temps que nous n'avons pas. Comprenez notre inquiétude. Vous pouvez bien nous expliquer ce que vous êtes. Je suis là pour vous aider. Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé au Saint-Temple cinéraire, Inquisiteur. Non, en effet. Les souvenirs que vous avez perdus vous ont été volés par le démon au service de Corypheus. C'est le cauchemar que vous oubliez en vous réveillant. Il se nourrit de vos souvenirs de peur, il se baffre de la terreur. Le faux appel qui a poussé les gardes à toutes ces terribles erreurs, c'est son œuvre. Il me tarde de venger l'injure faite à mes camarades par ce cauchemar. Vous aurez votre chance, cher garde. Ces ténèbres sont sa tanière. Comment peut-on le tuer? On ferait mieux de commencer par quitter l'immatériel. Commencez par quitter l'immatériel et soulever votre peuple contre Corypheus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Mais pour l'instant, c'est la meilleure réponse que je puisse vous donner. Lorsque vous avez pénétré dans l'immatériel à Dars,
Le démon vous a volé une partie de vous. Avant toute chose, vous devez la récupérer. Ah ouais, je lui demande voilà comment. Voilà vos souvenirs, Inquisiteur. Ah merde. Ça, c'est moche. Ils sont pas beaux, ces souvenirs. À l'attaque! Adieu! On lui décapsule la tête. Pourquoi faites-vous cela? Surtout vous, enfin! Amenez la sacrifiée. Que se passe-t-il ici? Oh, elle a donc été trahie. L'heure de notre victoire a sonné. Pourquoi faites-vous cela? Surtout vous, enfin! Immobilisez-la. Au secours! À l'aide! Il a quand même fusionné avec du cristal, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ah, tu t'es fait niquer. Au revoir. Donc, cette marque ne vient pas d'Andraste, mais de l'orbe utilisé par Corypheus dans son rituel. Corypheus comptait déchirer le voile, utiliser l'encre pour entrer dans l'immatériel et ouvrir les portes de la Cité Noire. Pas pour les anciens dieux, mais pour lui-même. Mais vous avez perturbé ses plans. Et l'orbe a apposé l'encre sur vous à la place. Donc c'était juste un accident? Un simple ricochet en plein combat? Qu'est-ce que cela changerait? Ça changerait que le Créateur et Andraste n'auraient rien à voir dans tout ça. Je ne serais que... Si vous croyez au Créateur, alors vous croyez qu'il a créé ce monde et tout ce qu'il contient, y compris votre accident. Et si vous n'y croyez pas, alors tout cela n'a pas d'importance. Vous ne pourrez pas échapper au cauchemar tant que vous n'aurez pas récupéré ce qu'il vous a pris. Vous avez recouvré une partie de vous, mais maintenant, il sait que vous êtes ici. Vous devez faire vite. Je vais préparer le chemin qui vous attend. Quelque chose vous tracasse, Hawk? C'était des gardes des ombres qui tenaient la divine dans cette vision. C'est de leur faute si elle est morte. J'imagine qu'il s'est emparé de leur esprit. Vous l'avez déjà vu à l'œuvre. Venez, nous aurons tout le loisir d'en discuter une fois sortis de ce sinistre endroit. Ça, j'y compte bien. Il est pas content, hein? Pas content du tout. Je n'ai jamais rencontré la divine. Vous croyez que c'était bien elle? Aucune idée. Si c'est un esprit, il n'agit pas comme tel. Et un démon ne nous aurait pas aidés à ce point sans demander quelque chose en échange. Et le cauchemar? Après ce qu'elle a dit, j'ai pas hâte de le rencontrer. Apparemment, il se nourrit de la peur et vole les souvenirs des gens. C'est bas, même pour un démon. Nos souvenirs font de nous ce que nous sommes. Rien que de penser qu'un monstre puisse les voler, ça me fait froid dans le dos. Après ce qu'il a fait à mes camarades, je prie pour que nous trouvions un moyen de lui faire payer. Bon, allez, on se casse de cette planète de merde.
quelqu'un qui est déjà passé par là. Hein. Oh non, allez. Allez vous faire cuire un œuf. Tiens, on a de la visite. Monsieur vient voler la peur dont j'ai eu l'obligeance de le débarrasser. Vous auriez dû me remercier et laisser votre peur à sa place dans l'oubli. Prenez de la Croyez vie. Que la douleur vous rendra plus fort. Qui vous a mis ces idioties en tête? Le seul que vos peurs rendent plus fort, c'est moi. Mais vous êtes un invité dans ma demeure. Je ne saurais donc m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Je m'attendais à pire. Cela n'était certainement que des serviteurs du vrai démon. Dommage. Oh, j'ai gagné de la dextérité, cadeau. Tenez-vous prêt, ça m'étonnerait qu'il nous veuille du bien. Oh, c'est quoi ces trucs? C'est moche. C'est quoi ça? Un monsieur tout nu. Ah, éclaté. Peut-être moi qui devrais avoir peur d'affronter les redoutables membres de l'Inquisition. Comme Blackwall. Ah, oh, ils font chier. Ah, rien ne vaut un garde des ombres. Et vous, vous n'avez rien d'un garde des ombres. Je vais te montrer ce que vaut un garde, vermine. Allez, tuez-le. Salutations, Dorian. C'est bien vous, n'est-ce pas? L'espace d'un instant, cadeau. Je vous ai pris pour votre père. Ça, c'est vicieux. Bon, c'était pas par là qu'il fallait aller. Ah là là, quel labyrinthe. Ah, puis eux, ils ont repop. Voilà. Encore une fois, Hawk est en danger à cause de vous, Varric. Vous avez trouvé le lyrium rouge. Vous avez amené Hawk ici. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça te... cause toujours, mon mignon. C'est pas ton problème. Vous vous croyez important, Hawk? Vous croyez que toutes vos actions ont compté? Vous n'avez même pas réussi à sauver votre cité. Comment espérez-vous vaincre un dieu? Vous avez échoué. Vous avez échoué.
des démons plus faibles, j'imagine, qui récupèrent les restes laissés par le cauchemar. Et ils prennent la forme d'araignées. Une créature. Le cauchemar se rapproche. Il devient plus fort chaque minute. Il sait que vous cherchez à fuir. Ok. Vous allez prendre cher, les mecs. Vous allez prendre cher à cause de vous. Toute l'humanité est menacée, toute la planète va exploser et j'ai perdu la tête. Donc vous allez me rendre ce qui m'appartient, c'est-à-dire tous mes souvenirs, vous laissez tranquille. N'est-ce pas ? Lettre d'un enfant, la porte est ouverte. Maman a dit de courir, elle a dit que les engins s'arrivaient, elle voulait que je parte, la porte est ouverte. Elle a été fermée quand je suis parti. Elle a dit qu'elle me suivrait, qu'elle allait courir avec moi, mais elle m'a dit de ne pas revenir quoi qu'il arrive. Les torches sont allumées dans le village, même pendant la journée, pour voir à travers la fumée. Maman devrait être ici, mais la porte est ouverte. Je vais voir à l'intérieur. Il est con ce mec. Il a dit il faut pas y aller, pourquoi il y va? Allez, rends-moi ma tête. Hop, rendez-vous en mémoire. Elle n'appartient qu'à moi seul. Les démons! Oh, les démons! Ok, d'accord. Il y a plein de gens qui sont morts pour rien en fait, c'est une ville qui a explosé, carrément. Encore ? Il doit avoir le crâne en bouillie. Toutes ces araignées. Brèche de Dars. C'est comme ça que je me suis échappé. Ah, c'était ça le truc du début. Les démons ! Courez ! Ah, c'est fait attraper par les bestioles. Non ! Partez ! C'était vous. Elle va se transformer, attention. Ce n'est pas Andraste qui m'a envoyé de l'immatériel, c'est la divine. Et maintenant vous... Elle est morte. Oui. Donc cette créature n'est qu'un simple esprit. Je crois qu'on était déjà tous au courant, garde. Je suis désolée si je vous déçois. Non, pas du tout. Ah, elle est plus jolie comme ça. La seule chose qui importe pour l'instant, c'est de sortir de l'immatériel. Quoi que vous soyez, vous nous avez aidés. La seule certitude qu'on a, c'est que la divine mortelle a été tuée au temple par les gardes des ombres. Je le répète, les gardes responsables de ce crime agissaient sous l'influence de Corypheus. Nous en reparlerons une fois rentrés à la forteresse. Oui, l'inébranlable, où l'Inquisition affronte une armée de démons levés par les gardes. Comment osez-vous nous juger ? Vous avez semé le chaos à Kirkwall, et vous avez causé une rébellion. Pour protéger des innocents, pas des fous ivres de magie du sang. Même sans l'influence de Corypheus, les gardes vont trop loin. Il faut les contenir. Quoi ? Vous voulez vous débarrasser des gardes des ombres ? On fait tous des erreurs. Ils auraient donné leur vie pour nous sauver. Ils pourraient encore être utiles. Et si Corypheus invoquait un nouvel enclin ? On ne sait jamais. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y en a encore quelques-uns de bien, mais la grande majorité des gardes sont devenus fous.
Ah, ils sont marrants. Strud a raison, non. Parce que d'un côté, ils sont quand même responsables de leurs actes, donc s'ils ont changé de bord, c'est la merde. Hawk n'a pas raison non plus parce qu'il a fait de la merde. Ce débat peut attendre qu'on soit en lieu sûr. Inquisiteur. Ah merde, ça pue ça. Oh, une grosse araignée. Le cauchemar nous a trouvés. Barre-vous ! Elle s'est cassée. Elle nous a laissé tout seul. En formation, je vous suis. Ouais, parce que là, ça pue du cul. Oh, l'attaque ! Tu es tous ces scarabées, là. Wow, 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 les bugs. On devrait sûrement suivre la divine. Quoi qu'elle soit, c'est notre seule chance de sortir d'ici. Ok, on se casse. Cassez-vous. Garde Straub. Comme ce doit être horrible d'assister un puissant à la chute des gardes après leur avoir consacré votre vie entière. Ou pire, de savoir au fond que vous êtes responsable de cette chute. Est-ce qu'on maudira votre nom lors du prochain enclin? Que le Créateur nous garde. Abattons cette bête infâme. Ouais, mettez-lui un pieu dans le cul. Je me fais massacrer! Bon, vous le tuez ou vous dormez? Sont jolies ces statues. Moi je veux les points gratos. Merci. Vous croyez pouvoir me combattre? Bien sûr. J'incarne vos peurs les plus viscérales. Oh, des araignées. Je suis la main voilée du grand Corypheus. Wow. L'armée de démons que vous craignez tant, je la commande. Ah. Donc si nous vous bannissons, nous chassons les démons. Merci, ô incarnation. Il vient de donner son point faible. Il parle trop, comme tous les méchants. Les choses se mettent à flotter un peu n'importe quand ici. Je me demande ce qu'il y a là-haut. Ou il vaut peut-être mieux ne pas savoir. Ah là 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 là. Poussez-vous de mon chemin. Allons voir ce qui se passe là-haut du coup. Parce que s'il a dit un truc intéressant, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a forcément une raison. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? La même chose mais en pire. Ah oui, la même chose mais en pire. Super. Stavas, ça c'est une belle bête. Il se nourrit de notre peur. Allons-y. Il meurt de faim. Défoncez-leur la gueule. Boum, on l'occupe. Défonce son anus. Voilà, il est mort, il a rien compris à sa vie. Pendant que l'autre il rigole parce que son pote est mort. Vas-y, utilise tes fouets. On a nos couilles, on va te bifler.
Voilà, t'es mort. Il y avait un truc à récupérer là. Ouais, y a peut-être plein de choses à choper par là. Dur de semer quoi que ce soit dans ce marais. La tombe de Cassandra. Et voilà le travail. Cassandra impuissance. Dorian tentation. Serra le néant. Carrément quoi. C'est quoi cette histoire? Je peux pas sauter. Ah si, là je peux sauter par contre. Quoi ces trucs là-bas? Ah, je les avais pas vus ceux-là. Excusez-moi si je fais un peu le tour, c'est juste parce que...
Il en reste plus qu'un du coup. Et après on se casse de cet endroit pourri. Bah merde. Ah, c'est là. Voilà, on termine cette quête. Et on se casse de cet endroit tout pourri. Toujours tout droit. Vers l'au-delà et l'infini. On saute. Tout droit. Et après, on arrêtera l'épisode ici. Une fois qu'on sera rentré dans le monde des vivants. Cours, Forest, cours. Prendre le cheval, non, c'est pas possible. C'est quand même bien foutu. Hein. Le mec a pensé à au monde de l'immatériel, il a bien réfléchi à son truc. Il a fait un truc immense, immonde, mais qui est logique. Dans tout l'illogisme de ce monde en fait. C'est un truc qui part carrément en couille. Bah, regardez-moi ça, il y a des trucs qui sont dans les airs. Par contre, le truc est juste immense, quoi. Là ! Ouais, ça m'aurait étonné qu'elle était tout seule, hein. À chaque fois il serait gêné comme ça.
Ah, y'a un gros qui arrive en plus. Il va pas faire long feu celui-là. Ouais, on se casse. Vous devez traverser la faille, Inquisiteur. Traversez, puis refermez-la de toutes vos forces. L'armée de démons sera bannie, et cette maudite bête sera exilée au fin fond de l'immatériel. C'est quoi cet endroit, là ? C'est ça la récompense des rêveurs ? Qu'est-ce que je peux balancer? Ça ne sert plus à rien. Voilà. Je voulais terminer la quête. On se casse de ce monde tout pourri. La faille, on y est presque. Merveilleux, Hawk. Tu n'as qu'à narguer les anciens dieux. Wow, c'est quoi ce truc? Dire un alien géant. Oh putain, c'est dégueu ça par contre. Ça c'est crade. Ça c'est très crade. Que je suis navré de l'avoir déçu. Je suis désolé. Moi aussi j'ai failli. Ah. Oh, elle l'a tué d'un seul coup, one shot. Quoi ce monstre immonde? Oh, une araignée. Elle a rétréci. Oh, pas beau. Il est pas content, lui. Défoncez-le. Vous n'êtes... Mettez-lui ses dents. Putain, ça va être chaud encore comme combat ce truc. Il est invisible en plus. Ça se fout de ma gueule. Bon, c'est pas grave. Balance tout. Dedans. Qu'est-ce qui est fait? Vous n'êtes pas de taille contre moi.
Ah, c'est quoi ce truc dégueulasse là? Elle est où la bestiole? Elle est là. Ah putain. T'as pris dessus, bordel. À taper dessus, elle a perdu quasiment toute sa vie. Vous allez mourir dans la souffrance. Ah, ceux-là ils sont pas costauds, défoncez-les. Ah, j'ai plus de mana. Ah, ils me font chier ceux-là. Ils sautent partout, c'est ça qui est chiant. Bon allez, pendant que ils s'en occupent. Tabassez-la. Tabassez-la. Arrière, démon. Cramez-le. Et elle, vous la tuez. C'est pas compliqué, quoi. Je suis le seul à la taper pendant qu'elle est invisible. Les autres, ils comprennent rien ce qui se passe. Ils sont en train de se faire défoncer la rondelle. Je me nourris de votre peur. Allez, tape. Voilà, enchaîne là. On va mourir. Voilà, ça y est, elle est morte. Oh putain, une araignée géante maintenant. Celle-là, mettez-lui une bombe dans le cul. Il faut dégager la voie. Mais comment? Allez-y. Je vous... Non, vous aviez raison. Les gardes sont responsables. Un garde doit... Un garde doit les aider à tout reconstruire. C'est à vous de le faire. Corypheus est à moi. Ah, putain. J'ai besoin de Hook. Lui, il sert à rien. Il doit assumer les actes de ses Daud. Collègues. Inquisiteur, ce fut un honneur. Pour les gardes.
garde Hawk. Mais j'aime bien sa moustache, par contre. Elle avait raison. Sans le cauchemar pour les contrôler, les mages sont libres, et Corypheus n'a plus son armée de démons. Même si à leurs yeux, c'est vous l'envoyé du Créateur qui avez conjuré le mauvais sort. Quand ils auront compris ce qui s'est passé... Honnêtement, après avoir autant fait face à la mort, il vaudrait peut-être mieux les laisser croire à cette légende. Inquisiteur, l'archidémon est parti dès que vous avez disparu. Le magister Venatori est inconscient mais vivant. Kellen a préféré vous laisser vous en charger. Quant aux gardes, ceux qui n'étaient pas corrompus nous ont aidés contre les démons. On fera tout ce qu'on peut pour racheter l'erreur tragique de Clarel. Où est Stroud ? Stroud a trouvé la mort en combattant un serviteur de l'Enclin. Nous honorerons son sacrifice, et nous nous souviendrons de lui comme l'incarnation des idéaux de la garde. Alors même que Corypheus et ses serviteurs tentaient de vous éradiquer. Inquisiteur, on n'a plus aucun garde de rang. C'était le dernier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Toi, tu es le nouveau garde de rang. Ah oui, ils sont quand même vulnérables à la corruption. Hein. Ils ont trahi tout le monde et tout, j'ai envie de leur dire, allez vous faire foutre. Ouais, mais ils vont... Bon allez, on va les aider. Restez, et aidez comme vous le pouvez. Stroud est mort pour les idéaux de la garde. Gagne la guerre. Eh bien la guerre n'est pas finie. Vous croyez que la garde a toujours sa place ? Tout à fait, votre grâce. Vous êtes encore vulnérable face à Corypheus, et peut-être face à son Venatori. Mais il y a bien d'autres démons à tuer. Pendant qu'ils font ça, je vais informer les gardes de Weishaupt de la situation. Mieux vaut qu'ils ne se fassent pas surprendre. Merci, votre grâce. On ne vous décevra pas. Bonne chance, Inquisiteur. Ce fut un honneur. Et prenez soin de Varric pour moi. Et voilà. Non mais, si quittent Orlaïs, ils vont aller faire Eldan et on fout de la merde. Donc, si on les bannit, ils vont se transformer en bandits ou des choses comme ça, ils vont commencer à péter des câbles. Hawk m'a envoyé un nouveau rapport. Il est en route pour Weishaupt. Les gardes des ombres... Ils affrontent les démons et les Templiers Rouges tout en évitant les Venatori. Vous avez porté un coup décisif à Corypheus, Inquisiteur. Nous le devons en grande partie à Stroud et à la Divine. Oui. Quand vous avez triomphé de Corypheus, que ce soit ici ou à Alamgiral, il n'était jamais là. On craint qu'il soit sur le point de trouver un autre moyen d'entrer dans l'immatériel. Quand vous aurez un moment, Kellen et Joséphine ont du nouveau dans le centre de commandement. Comment était-elle ? Je veux dire, la divine Justinia, ou son âme, ou l'esprit qui a adopté sa forme. J'ai lu votre rapport. C'est confus, je sais, mais... Elle avait l'air calme, et même sereine.
Et elle nous a guidés tout du long. Ça lui ressemble bien. Elle m'a demandé de vous transmettre un message. Elle a dit, je suis désolée de vous avoir déçu, vous aussi. Oh. Il faut que je termine avant que ça me sorte de la tête. On pourrait peut-être poursuivre cette conversation plus tard. Merci. Carrément. Influence plus 3200. Niveau 8. Bon. On va s'arrêter là pour le moment. J'espère que cet épisode vous aura plu. Du moins, cette session vous aura plu. On se retrouvera pour d'autres aventures. Et la suite de celle-ci, à bientôt tout le monde. Avec toutes les réponses à nos questions, je l'espère. Pourquoi la divine était encore en vie? Pourquoi Corypheus a voulu la tuer? Quelle était cette araignée géante? Est-ce que Strud est vraiment mort? Bref, on le saura dans les prochains épisodes. A bientôt tout le monde. On sauvegarde. Et voilà. Magnifique vue sur le château. Et les montagnes. A bientôt tout le monde.